Bonjour. Alors, l'essayage, c'est pas... C'est là ? Quand on choisit de faire le rôle de Platé, on sait pertinemment qu'on va avoir un costume particulier, parce que c'est pas un rôle de jeune premier, c'est un rôle d'une femme, un rôle travesti. J'en ai déjà fait quelques-uns, parfois des vieilles grand-mères ou des nourrices, ou, mais jamais un animal, et jamais avec une grande paire de seins. Et assez vite nous est venue cette idée que Platé, malgré son aspect repoussant et dégoûtant et bestial, etc., aurait de très jolis petits seins fermes de jeunes filles quasiment, qui permettent des moments de désir ou des moments où Jupiter, peut-être vraiment en fermant les yeux et en se laissant aller, se disent que c'est pas si mal, même si il se reprend tout de suite après. Oui, tu vois. Ils sont déjà prêts ? Oui. Les gosses. J'aimerais volontiers les avoir pour les répétitions, si c'est possible. Oui, je crois. Parce que ça va beaucoup changer. Je m'appelle Julia Hansen. Je suis décoratrice et costumier. Ça veut dire que je fais les décors et les costumes. Et aussi, avec les metteurs en scène, on fait les concepts ensemble. On crée le concept de la production. Ils ont construit un faux corps, en fait, pour me le plaquer dessus, avec des seins, un peu de ventre, un peu de plein de choses, et des faux doigts, des fausses pattes, une tête avec tout plein de yeux. Effectivement, il y a un côté très ludique, finalement, à partir dans un costume comme celui-là, évidemment. Il ne faut pas avoir peur du ridicule, parce que forcément... Et non, c'est 1 € à chaque personne. Hein. Ça me payera les cafés. Le plus important, c'est pour le chanteur, parce qu'il a un rôle, il trouve un rôle avec les metteurs en scène. Et je vais suivre, ça veut dire je veux faire un costume pour eux, pour vraiment pour compléter le rôle. Sur la gorge, je préfère avoir rien du tout. Pendant les essayages, on a vu, oui, ça marche, mais il y a quand même plusieurs choses qui doivent être confortables, parce que ça, si c'est trop serré ici, bien sûr, il ne peut pas chanter, c'est ça. Ou si ça tient partout, ou s'il ne peut pas bouger, ou s'il ne peut pas écouter ou entendre l'orchestre, et toutes les petites choses comme ça. Mais ça a duré vraiment des mois. On va faire un peu comme sur les dessins, avec les violets, suivre ton corps un peu. J'ai dû venir un mois avant le début de la production pour faire des empreintes du visage, du corps. On a parlé, on a reparlé, on a fait l'essayage, on a demandé même le chanteur de venir un peu en avance pour essayer de plusieurs choses et c'était très intéressant dans la fin. Le deuxième costume, c'est un costume plus... c'est un costume déjà, c'est une robe rose avec une grande perruque rousse, blonde, blond vénitien. Je ressemble vraiment à une femme bien comme il faut des années 50, 60, avec malgré tout quelques petits restes au niveau des chaussures et des doigts, où j'ai toujours évidemment 3 doigts partout. Mais Platé, à ce moment-là, du deuxième acte et du troisième acte, s'est humanisé le plus possible pour ressembler le plus possible aux humains, pour plaire le plus possible à Jupiter. Les moments où elle a par exemple la robe femme, elle est quand même assez normale. Et à la fin, on voit quand même le visage humain et le... C'est touchant parce qu'elle reste quand même une créature. Il y a un côté presque jubilatoire quand même. C'est vrai que c'est rigolo de se déguiser à ce point-là.